C'est sous le regard bienveillant de son grand-père, Félix Fouet-Boigny, qu'Augustin Thiam prépare ses journées de travail. Devenu chef canton à Coué, comme Fouet-Boigny avant lui, le gouverneur de Yamoussoukro a accepté de nous ouvrir les portes de la résidence privée du premier président ivoirien. En route pour le palais, celui qui partageait des confidences avec Fouet-Boigny nous offre des moments d'histoire sur le plan d'urbanisation du village de Yaasso, Yaa la 7e, devenu par déformation Yamoussoukro. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais grand-père, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais des rues aussi larges? Pourquoi tu fais ce gigantisme-là à Yamoussoukro? Il m'a répondu, il dit, mon fils, je m'inspire de George Washington. Je lui ai dit, mais tu t'inspires de George Washington, c'est-à-dire? Il me dit, c'est George Washington qui a fait les plans de la ville Washington aux États-Unis. Je m'inspire de lui pour faire les Yamoussoukro. Et un jour, vous comprendrez. Et nous sommes dans la compréhension aujourd'hui. L'hôtel président date de 1974. Et pourtant, on dirait qu'il a été construit hier. Ces larges avenues que nous voyons aujourd'hui et dans lesquelles nous roulons semblent avoir été construites il y a quelques jours, alors qu'elles ont 30 ans. Là, derrière le portail d'honneur, commence un voyage dans le temps, à la découverte de l'histoire de Ngokro. Et ça, c'était la route qui traversait le village de Yamoussoukro. Et le village était localisé sur la droite. Le petit hameau de Kaz, qui a vu naître Félix Fouet-Boigny, s'est transformé en palais en 30 ans de pouvoir du vieux, comme l'appelaient les Ivoiriens. C'est la résidence privée, c'est le Saint des Saints, si vous voulez. C'est là où vivait le président Félix Fouet-Boigny. Difficile aujourd'hui d'imaginer que le Yamoussoukro primitif se trouvait sous ses palmiers. Sur le perron, on peut admirer de l'entrée principale les deux béliers grandeur nature, symbole de la famille de celui qui s'est forgé un nom pour entrer dans l'histoire. Fouet-Boigny fabrique le nom Fouet-Boigny en 1946. Quand il est élu député, il s'appelle Félix Diarra Oufoué. Oufoué est le nom de son père. Boigny est le nom de son ancêtre maternel. Donc, il fait une conférence de presse à Dakar et il dit aux journalistes, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Oufoué Boigny. La résidence est bordée par une mare sacrée avec ses caïmans, avec sa cohorte de mystères et de légendes. On dit souvent des caïmans qu'ils sont sacrés. Mais en fait, nous, c'est l'esprit de l'eau que nous adorons. C'est l'esprit de nos ancêtres que nous adorons, pas les caïmans. Posé sur un échiquier de verdure, le palais est entouré d'une enceinte de 22 km, avec au centre une chapelle. Une tour de 4 étages, avec un appartement de 4 pièces à chaque niveau, construite entre 1974 et 1976 pour augmenter la capacité d'accueil de la résidence et un jet d'eau momentanément à l'arrêt. Là où il y a le jet d'eau, là, le grand-père Augustin avait commencé à construire un immeuble dans les années 30, mais qu'il n'a jamais pu terminer parce qu'il était mort. Et il avait l'intention, paraît-il, de loger toute la famille dedans. Bon, pendant longtemps, c'est resté là, et puis un jour, le président a rasé. Et c'est là qu'il a mis le jardin, et puis il a fait tout le reste. La résidence des enfants, comme tout ce que compte cet immense domaine, ont été pensés par Fouet-Boigny et réalisés par l'architecte Olivier Clément Kakoub. Lui-même, un moment, a habité ici quand il faisait des travaux dans sa résidence personnelle, là où nous irons tout à l'heure. Mais avant, la salle à manger nous livre l'une des innombrables richesses du palais. Je vous demande de regarder que cette table de salle à manger est une véritable œuvre d'art. Regardez ce que c'est du marbre. Et il paraît qu'elle a été déposée ici par un hélicoptère, tellement elle est lourde. Et ensuite, on a fait le toit de la maison. Et depuis plus de 40 ans qu'elle est là, personne n'a plus jamais bougé. Dîner, déjeuner et petit déjeuner se prenaient par moments dans ces couverts aux initiales HB. Si je vous dis que le président Fouet-Boigny mangeait de la Kwessi au précis déjeuner, vous ne me croirez pas.
Mais il se levait le matin, il commençait sa journée des fois avec de la Kwessi. La Kwessi baoulée, hein, pas la Kwessi agni, avec la pintade, banane bouillie, igname bouillie, dans la sauce claire, c'est ce qu'il mangeait le matin. Il avait un très bon appétit. C'est dans les appartements privés du père de la nation ivoirienne que l'on se rend compte du rayonnement de cet endroit d'histoire et de mémoire. Le symbole de la famille Boigny et le symbole de la Côte d'Ivoire, côte à côte, vous accueille à l'entrée de sa résidence privée. Il n'y a aucun objet qui est une imitation ici. Tous, ce sont des objets de collection, authentiques. Quand vous voyez des meubles 14e siècle, 13e siècle, c'est vraiment 13e, 14e siècle. Ce lieu unique, témoin du parcours de Fouette Boigny, nous révèle le sacrifice de son frère cadet, Augustin. Le grand-père Augustin était analphabète. Il a préféré gérer la famille. Et comme il n'était que deux garçons, laisser son grand frère aller à l'école, faire des études. Et en quelque sorte, il s'est sacrifié, entre guillemets, pour son grand frère. Et il est mort jeune, en 1937. Et c'est ce qui a obligé le président Fouette Boigny à arrêter sa carrière de médecin pour venir prendre la chefferie à Yamoussoukro. Surnommé le sage, Félix Fouette Boigny, le médecin, devint dirigeant syndical du RDA, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, premier ministre et enfin président de la Côte d'Ivoire en 1960. Derrière ce panneau se trouve sa chambre. Mais bon, on ne permet pas aux caméras d'accéder là-bas. Et vous tapez. Chaque fois, quand vous arrivez, vous tapez. Quand vous devez rentrer. Oui, parce qu'il y a deux portes. Vous pouvez ouvrir ici. La première porte, là, c'est un bureau. Si vous arrêtez votre caméra. Yamoussoukro devient alors le centre du pouvoir ivoirien. Ses salons d'apparat deviennent le cadre de rencontres avec les grands de l'époque. Et souvent, quand ils recevaient les gens, on vous fait asseoir dans le fauteuil qui est là. Vous vous asseyez là, et c'est là qu'il recevait ses hôtes de marque, ce divan-là. Ça va de Léopold Sédar Senghor, en passant par Paul Biya, en passant par Sa Majesté le Roi Hassan II, en passant par Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, il recevait tout le monde. Frédéric de Clercq, Nelson Mandela, vraiment très très éclectique, il recevait tout le monde. Yamoussoukro était la ville de tout le monde. Boiseries, dorures, objets de vitrine, tout ici, ou presque, est un trésor. Regardez même dans les vitrines, les articles qui sont dans les vitrines en ivoire. C'était un collectionneur. Et il y avait des gens qui achetaient des œuvres d'art pour lui en Europe. Ici, sur les murs, il y avait des tableaux de Buffet, de Modigliani, de Picasso. Il achetait des tableaux comme ça, qu'il mettait au mur, qui coûtaient des centaines de millions. La résidence est une majestueuse enfilade de pièces dotées de décors somptueux, comme le grand salon des réceptions. C'est pour moi la plus belle pièce de la maison. Les couleurs, tout est pour moi en harmonie, il n'y a rien qui tranche. Le vert des fauteuils est repris dans le tapis. Les dorures des rideaux, le bleu, tout est luxe, calme et volupté. Et parfois, je me demande, même le plafond, comment ça tient? Vous avez une portée de près de 40 mètres, il n'y a aucun poteau. Ça tient comment, le plafond? C'est même une prouesse architecturale. Ça, c'est un cadeau de l'empereur du Japon. C'est de la roche volcanique sculptée. La salle à manger qui jouxte le salon a souvent servi pour les retrouvailles familiales avec au centre la chaise du président. Nous accédons à une salle de réunion où il a rencontré aussi des chefs d'État, il a tenu des conseils des ministres ici. Construit en 1967, le salon Bourguiba et ses lustres à l'effigie du clan Boigny rappellent le faste des lieux. Les coûts des travaux du palais ont à une certaine époque alimenté la polémique avec le fameux slogan de l'opposition « Oufouette voleur ». Beaucoup d'Ivoiriens peuvent penser et dire ce qu'ils veulent. Mais je ne vais pas répondre directement à cette question. Je vais répondre par un fait historique. En 1944,
la France décide de lever un impôt colonial auprès de toutes ses colonies pour aider le gouvernement français en exil dans son effort de guerre, en 1944. Tous les Français de Côte d'Ivoire réunis cotisent 10 millions de 1944. Oufouet Boigny, lui seul, donne 10 millions de 1944. Il n'était ni député, ni président. Il voulait qui ? Voilà ma réponse à ce genre de questions. Sa toute puissance, c'est dans ce bureau qu'il l'exerce quand il est à Yamoussoukro. Note, rencontre, tête à tête, l'homme fait corps avec la politique. Vous savez, quand on atteint certaines dimensions, j'ai l'impression qu'il était homme d'État 24 heures sur 24. Pourquoi ? C'est difficile à traduire. En français, en baoulé, on dit on est avec. Befa oube. Tu nais avec. On ne devient pas. On est avec. Comme je dis, on ne devient pas chef. On est chef. Depuis que tu es petit, on sait si tu vas être chef ou pas. Au fond, moi, il est né à ça en lui. La grandeur. Si vous voyez la photo du foyer, est-ce qu'on a besoin de vous dire qu'il est président ? Son visage respire la sérénité. De Félix Houphouët-Boigny, l'on connaît l'homme politique, mais moins bien l'homme de religion. Sa fille unique aînée s'appelle Marie. Toutes ses sœurs s'appellent Marie quelque chose. Même sa femme s'appelle Marie-Thérèse. Il vouait un véritable culte à la Vierge Marie. Le sanctuaire marial, c'est lui. Notre-Dame de la paix, c'est elle, la basilique. Marie, toujours, la mère du Christ. Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans. Son corps repose au milieu des siens, dans le caveau familial qu'il l'a fait construire. Là, vous avez la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. À sa droite, celle de son fils aîné qui s'appelait Félix, mais qui est mort en bas âge, à 10 ans. À sa gauche, celle de sa mère qui s'appelait Ndrikan. En face de lui, celle de son petit frère Augustin. Ne sont enterrés ici, à Yamoussoukro, que les membres de sa famille maternelle. Parce que chez nous, les Baoulés, quand tu meurs, normalement, ton corps doit revenir à ta famille paternelle. Donc ici, en grande majorité, sauf lui-même, normalement, lui-même, on ne devait pas l'enterrer ici. On aurait dû aller l'enterrer à Didievi. Comme pour s'ouvrir la voie de l'éternité, Houphouët-Boigny a fait construire une chapelle juste au-dessus du caveau. Il était assis là, je vois, il dit, mais tu sais que je suis assis sur ma tombe ? Je dis, comment ça ? Et c'est là qu'il m'explique que la fauteuil est à la verticale de sa tombe. L'entretien du palais est assuré par l'État ivoirien qui souhaite en faire un musée. Ça répond aussi à l'attente de beaucoup d'Ivoiriens qui sont à la recherche de valeurs morales positives qu'incarnait Félix Houphouët-Boigny. Et les recettes de l'ouverture de ce musée pourraient servir à alimenter, entretenir ce musée-là. Houphouët-Boigny aura marqué son siècle d'une empreinte indélébile. Son palais de Yamoussoukro, lieu mythique et légendaire, est l'un des plus beaux trésors de celle qu'il a aimée plus que tout, sa Côte d'Ivoire.